Les vacances, quand ils nous regardent comme ça, qu'ils disent, hey, en tout cas, prochainement, j'irai plus aux vacances. Je vais rester pour participer au culte. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. La dernière fois, je vous ai fait du bien. Vous voulez encore que je fasse du bien? Vous faites moi aussi du bien. Soyez présents, que vos esprits soient connectés avec le ciel. Comme ça, Dieu aussi vous bénira. Que Dieu t'en Amen. Prions. Seigneur, je bénis la parole que nous voulons écouter maintenant. Je bénis tout celui qui rentrera dans cet auditoire pour suivre cet enseignement. De loin comme de près, Seigneur, que tout le monde soit béni. Ceux qui sont dans l'auditoire et ceux qui sont ailleurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Domingos, pourquoi quand on demande aux gens de fermer les yeux, toi tu regardes les gens? C'est pas bien ça. La Bible dit, celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit obéit au prophète. Lis ta Bible. Si ton esprit n'obéit pas au prophète, ça devient inquiétant. Parce qu'un enfant de Dieu, comme on dit, l'esprit de Dieu obéit au prophète. Je suis comme un prophète, je dis fermez les yeux. Si toi tu ne fermes pas, c'est que c'est inquiétant. Parce que normalement, ton esprit devait se soumettre à la voix de qui? Du prophète. C'est écrit dans la Bible. Lis ta Bible que tu as tout le temps avec toi. De la Bible, ça devient inquiet. Bobo Sanate, il a le dit, nous ouvrons tous grandement les yeux pour nous faisons attention. Alors, le temps que nous traversons en France, pour qui je vous ai dit que essayez de plus veiller jusqu'à la fin de l'année dans l'opération sans pitié. On regarde la loupe. Vous voyez ce que je viens d'arrêter à Paris. Non, c'est que même sous Balier, ma personne qui me l'occupe. Donc, ce sont des personnes que tu ne peux pas penser. On est tout le temps avec elles. C'est comme d'autres. Je dis simplement, soyez souples. Amen. C'est pour vous que je viens prêcher. Donc, c'est pour nous tous. Soyons souples. Amen. Amen. Même si tu ouvres les yeux, tu me verras toujours avec cette veste. Je ne me transforme pas au boho. Il ne faut pas vous focaliser aux choses que les gens disent à l'extérieur. Il y a aussi une église et qu'il faut que le pasteur. Non, je suis toujours moi. Domingos, il y a rire. Vous pouvez noter. Je vais vous faire rire. De l'introduction. Un jour, le pasteur David, s'il a l'occasion de me suivre, était venu passer le temps chez moi. Il devait aussi prêcher à l'église. Alors, quand minuit voulait arriver, moi je dis, pasteur, restez avec la famille, priez avec eux. Moi, je pars prier. Il me dit, je vais partir avec toi. Toi, tu l'as dit, au Rokoka, au Tounié, à Tounié. Est-ce que tu vas arriver à les prier avec le bishop dehors? Habite Dieu. Moi, je dis où? Moi, je dis, je vais à la forêt. Oh oui, on y va. Pourquoi tu me regardes comme ça, mon mestre? J'ai l'habitude de prier à l'intérieur de la forêt depuis longtemps, depuis la forêt. On est monté dans la voiture, on a quitté Orléans, on commence à monter vers la route de Blois. On rentre vers, en descendant vers l'Oise. C'est n'importe quoi. C'est ce que les gens disent. On garde la voiture. Il faisait trop noir. Il me dit, on va prier dans la voiture. Moi, je dis non. On va descendre. On va rentrer à l'intérieur de cette forêt. C'est là où je vais prier. Il me dit, oh, coum. Moi, je dis, tu avais dit que tu veux prier avec moi. On y va. On te passe devant. Je suis passé devant. Oh, il a ramassé un bâton. Moi, je ne savais pas. Il a ramassé un bâton avec les intentions qu'il avait dans sa tête. Moi, je ne savais pas. On rentre à l'intérieur de la forêt. Oh. Wow. La prière commence. Il s'approche de moi. Je dis, oh, dame, pourquoi tu t'approches de moi? Arrête de t'approcher de moi. Parce que il connaît les choses. On a prié, on a fini. Maintenant, on est revenu, je le vois avec les bâtons. Je dis, pourquoi tu as ce bâton? Yo mon gars, so comment il boit la béton dans mon cou. Je dis, même toi mon frère, de longue date, tu penses les choses comme ça. La mouli la newa. Ah, pasteur David.
Quand on est rentré, dit à ma femme, je suis bête en bas, je suis comme un boa. Et tout ça. Alors, les responsables de l'église France pour Christ de l'époque, je les ai amenés deux fois. Deux fois, je vous ai amenés. Je dis aux responsables, je vais vous amener, prier avec moi. Alain, tiens, tu étais là. Il y avait Alain, l'époque, il y avait des Richard, des Jean Gabi, des Tadé, tout ça. Nicolo, mon camarade, nous sommes dit, bon, on va plus mener. Mais pourquoi vous m'avez constaté comme ça? Oh, parce que mon homme, je l'ai les gars. Non, c'est intéressant. Mais là, il me pose la question, comment tu fais quand tu fais tout seul? Moi, je suis jamais allé à la forêt tout seul. Je suis jamais à la forêt tout seul. Je vais toujours avec Jésus, je vous ai dit. Tout seul, je ne vais pas. Vous-même, vous êtes nombreux avec moi, vous avez peur. Et alors posez-vous la question toute seule, est-ce que je vais arriver? Non, c'est que je vais toujours avec quelqu'un. C'est à cause de cette personne. Tout le monde ouvre les yeux, la prédication. À cause de quelqu'un. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Et puis la forêt d'ici, moi, ça ne me fait pas peur. Même ceux qui me suivent, écoutez-moi. La forêt de l'Afrique, je suis parti. Vous savez, de la forêt de l'Afrique, quand je pars, je prends une machette pour pouvoir frayer le chemin. Parce que c'est vraiment la jungle. Ça fait tout noir avant. Je vous fais rire. La première fois que j'ai expérimenté aller prier à l'intérieur d'une forêt, je devais partir avec 4 pasteurs. On était prévu d'être plus ou moins 5. On s'est convenu. Je vais dans cette église que les gens prennent conscience. Quand tu sens toi-même, il faut battre en communauté. C'est ridicule, je veux que tu montes ici tout le temps. Lève-toi, fais quelque chose. C'est la maturité, c'est ça. J'ai bien dit, l'opération sans pitié. En plus, comme la santé, mon gâteau dit, écoutez, je suis arrivé. On s'était convenu qu'on se croise vers Sekomaf. Vous connaissez Sekomaf? Parce que c'est vers les villes de brasserie, vous montez là-bas. Hein, c'est ça? Alors, j'attends les autres venir. Ils ne sont pas venus. Maintenant, les transports finissent là-bas tôt. Je ne pouvais plus rentrer. Et je me suis décidé de monter la montagne pour aller à l'intérieur de cette forêt. Je suis arrivé, j'ai pris la machette, je commençais à ranger les lieux. J'ai prié comme tout le monde. Maintenant, quand les noirs commençaient à venir, mais quand j'ai dit noir, c'est noir. Tu ne pouvais rien voir comme ça. En plus, les animaux sauvages dans la forêt. Vous entendez. Maintenant, j'ai arrangé mon truc pour dormir. Je l'ai mis à côté d'un arbre. J'ai mis mon dos sur l'arbre. Le diable est bizarre. Il est venu me rappeler. Vous connaissez le dessin là? Où le boa descend. Directement de ma tête, dit qu'il est barre au le mouton et qui m'y était. Maintenant, je n'avais plus le choix. Il faut que j'utilise simplement la foi. Parce que je ne pouvais ni rentrer, ni voir la route parce que ça faisait trop noir. J'avais une craie de couleur blanche que je mettais sur les arbres pour ne pas me perdre, pour me référer. Bien-aimé, la nuit entre. Maintenant, j'attends des choses. Quand j'attends, oh Jésus, alléluia. Moi-même, j'ai compris que je ne prie pas avec Jésus. Je prie avec la peur. De temps en temps, je prends une torche que j'avais, je regarde la montre. Bien-aimé, quand tu as peur, l'air ne passe pas. Moi, je voulais que le soleil se lève. Maintenant, je dirais comme ça, tout ce temps que j'ai passé, 3 minutes. Je dis, mon Dieu. Et mon cœur battait. Après moi-même, je dis, je commence à penser dans mon cœur, je vais mourir si personne n'est au courant. Les diables, c'est mettre les gens en terreur. En plus, la forêt de la nuit.
À un moment, je dis, mais si j'ai toujours peur, ça ne sert à rien. Je n'y vais pas et je n'ai personne d'autre ici à demander secours. Il n'y a que Jésus. Il faut que je prie. Et vers 2 heures comme ça, j'attends. Si tous les zibous venaient me menacer, me faire peur. J'ai dit non, je vais prier. Mais pour mieux prier, je me suis décidé de me couvrir les draps. Parce que j'ai dit que peut-être les draps, ils ne vont pas me toucher. Je commençais à prier. Je dors. Or, le lieu que j'avais mis mon truc était un royaume satanique, je ne savais pas. Je dors, dans mon rêve, je vois comme si je suis éveillé. Je vois beaucoup de femmes m'encercler. Beaucoup de femmes m'encercler. Et une femme au bout de ma tête, j'avais ma tête entre ses jambes. Je regarde la femme là, regarde les cheveux comme ça. La femme là me dit, qu'est-ce que tu es venu faire à Dormaïs? Moi j'ai dit non, on avait la prière. Moi je vois que je ne dors pas. Je lui parlais. J'ai dit non, on avait la prière avec des amis, mais ils ne sont pas venus voir pourquoi je me repose, tout ça. Ici, c'est notre maison. C'est notre royaume. Je me suis sursauté. J'ai commencé encore à prier. Et le matin, quand le soleil s'est levé, j'attends quelqu'un qui est quelque part, un chasseur. Un serpent l'a mordu. Chaos. Je vois les autres personnes venir, le chasseur. Ils m'ont trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai dit, prié, dit, mais tu as dormi ici. Il me pose la question, est-ce que as-tu vu une femme avec des cheveux longs? Cheveux longs. Moi, je dis oui. Il dit, beaucoup de pasteurs sont morts ici, qui ont essayé de dormir à cet endroit. Qui ont essayé de dormir dans cet endroit. Pasteur, beaucoup viennent la journée, rentrent le soir. Il faut rentrer. Je dis. Ils m'ont dit, tu attends là-bas les serpents. Ils m'ont montré. Non, bien aimé, si Dieu, moi, je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Je sais que Dieu existe. Quand Dieu protège, là où j'étais couché, ils m'ont montré les traces du serpent, comment ils passaient, les serpents. Mais les chasseurs, le bien gonflé, on l'a mordi. Mais moi, qui ai passé toute la nuit allongé là, les serpents m'ont montré, parce que les serpents ont des traces, les chasseurs connaissent ça. Il me montre, ça c'est des serpents. Il y en avait ou trois qui sont passés par ici. Mais comment ils ne t'ont pas mordu? C'est ce qui m'a donné l'assurance de continuer des ailes. Parce que j'avais fait 7 jours dans la forêt. Mmh. Eh oui. Donc, j'ai dit, si les serpents ne m'ont pas mordu, pourtant les premiers jours j'avais peur. Avec peu de fois, Dieu m'a protégé. C'est que si je continue, rien ne va m'arriver. Mmh. J'ai fait rire au chasseur lorsque l'autre chasseur m'a donné un fruit parce que je suis parti, je mangeais simplement ce que j'ai trouvé. Je n'avais pas amené à manger, j'avais dit, si je trouve des fruits, je mange. Alors, un chasseur m'a donné un fruit. Après, il me dit, pasteur, il faut rentrer. Pasteur, il faut rentrer. Abinga, assemble la bima. Mais il n'a pas se foquer. Il a dit, non, non, non. Je vais voir, peut-être que je rentrerai à 17h. Je lui ai dit ça pour qu'il me laisse tranquille. Après, il m'a dit, il m'a dit, moi, je lui ai fait rire, je lui ai dit, parce qu'ils ne m'ont rien fait. Deuxième jour, je dors encore. Deuxième jour, les animaux me sautaient. Moi-même, je viens, les animaux me sautaient. Donc, c'est bien aimé, l'expérience. Ce qui fait des fois, les gens disent, pourquoi pas, je ne peux pas arrêter? Parce que j'ai déjà affronté beaucoup de choses pour supprimer la peur. Je sais que quand je prie dans les forêts d'ici, les gens ont peur, moi, ça m'étonne. Ce sont des forêts inutiles. Bien classé avec des arbres. Mais la forêt de l'Afrique, les arbres ne sont pas classés. C'est la jungle totale. Et j'ai dormi là-bas. Et troisième jour, j'ai offert rire quelque chose qui m'a beaucoup fait peur, je ne savais pas. La nuit, parce qu'à chaque fois que je marchais pour chercher des fruits, j'amenais mes bagages et je restais à côté, je voyais des fruits. Alors, troisième jour, je suis arrivé à un endroit, je vis un arbre comme ça, j'ai goûté les fruits, étaient bons. Je ne connais même pas ces fruits, je commençais à manger. Et quand la nuit est arrivée, je voyais des trucs blancs. Je vois des trucs blancs, blancs, blancs à côté. Moi, je dis, ça c'est quoi ça? Je commence à avancer. Après, je dis, non, il faut que je m'arrête. J'attends la journée. La journée, je réveille comme ça.
était un ancien cimetière. Mon cœur commençait encore à trembler. La paix est revenue. J'ai dit, mon Dieu, mais je suis avec des cadavres. J'ai changé de côté. Quatrième jour, la pluie commence à tomber. J'attends, au milieu de la nuit, j'attends la voix d'une personne. Or, c'était un vieux papa qui, il y avait un petit village qui a seulement deux maisons. Ce monsieur passait parce qu'il voyait de la lumière. Là où j'étais, des fois je mettais la torche ou une bougie pour des fois lire ma Bible, parce que je cherchais à lire la Bible avant de prier. Le monsieur là est venu tout avec les lampes là. Il dit, avant il parlait avec Congo, hein, parce que vers là-bas les gens pensent que tout le monde parle du Congo. Je réponds à lui, nana Zaliao, nana. Il dit, oh, Isamou, Elima. Ça c'est mon fils d'esprit, il m'appelle, je ne vais pas répondre, il va voler ma voix. J'avais peur. Après, il arrive jusque là. Ah, tu ne peux pas. Il y a un ami, il a un prière. Il y a un pasteur. On arrive chez elle, il continue à Ndako. Vous savez, il dormait au salon, c'était poulailler. Il y avait des coqs, des poules, des canards. Et de la chambre, j'attends simplement la voix d'une femme. Jusqu'à ce que je suis parti, je n'ai pas vu cette femme. Bon, c'est sa femme, je pense, parce que je suis arrivé la nuit là-bas. Donc, maintenant, le diable, il lâche pas. Je me rappelle de l'histoire de Georges Mbanda. Namboka moko, ndaku moko veki. Au milieu de la nuit, j'ai dit à ses papa, ngaina kinde. Oh papa, pourquoi tu changes de cours? Tu veux partir vraiment? Il a encore 4 heures moins. Moi, j'ai dit non, faut que je pars. Parce que lui, il ne sait pas que moi, je pense, beaucoup ne connaissent pas Georges Mbanda ici, hein. Waouh! Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'explique là. Tu connais, oui? Oui, Georges Mbanda. Il avait des histoires qu'on restait à côté de la radio. Ça faisait trop peur. Et maintenant, je me suis rappelé de cela. Je suis sorti de cette maison à 4 heures et quelques. Mais j'ai vaincu le pari comme on s'était entendu, nous tous. On devait faire 7 jours. Je fais 7 jours dans la foi. Depuis ce jour-là, moi, la forêt, ça ne me fait rien du tout. C'est ainsi que les gens s'étonnent des fois. Ils me voient la nuit, je garde, je rentre à l'intérieur, je prie. Non, maintenant les gens passent là. Maintenant, c'est simplement affronter la peur. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, je vais prier. Le thème que nous voulons partager, même ceux qui nous suivent, à cause de vous. Le thème dit à cause de vous. Dis avec moi, à cause de vous. À cause de vous que Christ parle dans ce chapitre. Il dit à cause de vous que la situation est devenue ainsi. Nous allons lire dans les évangiles ce chapitre. Avec ce court message. Et que je voudrais que beaucoup de gens puissent comprendre. Mais même dans le français, à chaque fois que quelqu'un dit à cause de toi, c'est que ce n'est pas une bonne circonstance qu'il parle. Mais aujourd'hui, je vois dans le français, nous mélangeons grâce et à cause pareil aujourd'hui. Il y a des endroits que les gens peuvent dire grâce à toi, mais les gens disent aujourd'hui à cause de toi. Est-ce que vous comprenez cela? Nous, avec les Français belges, on avait appris que quand on dit à cause, c'est par rapport à un événement qui n'est pas bien. Que tu m'as fait ou que tu as, qui est passé par toi et qui m'a atteint. Mais aujourd'hui, je vois tout le monde. Même si tu le fais du bien, dis à cause de toi, j'ai la voiture. À cause de toi, j'ai acheté la maison. Mais en réalité, nous les Français, les Belges, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les Belges seront contents que je parle, nous les Belges. Nous les Belges, on savait dire que à cause, ce n'est pas une bonne circonstance. N'est-ce pas les Belges? Amen. Alors, on disait pour les bonnes circonstances, on disait grâce à toi. Que j'ai eu cette faveur.
Mais les enfants d'aujourd'hui et les gens d'aujourd'hui, même si tu leur accordes un privilège, ils disent toujours quoi? À cause de toi, j'ai eu ces privilèges. Mais non, en réalité, nous, en Belge, on ne disait pas comme ça. On disait grâce à toi que j'ai eu ces privilèges. N'est-ce pas? Même les Français, c'est comme ça. Oh oh. Vous parlez français, mais vous ne savez pas quoi. Les Français, ça, c'est comme ça. Tu penses ou tu dis ça? Parce que tu as dit, je pense. À cause. Vous savez, à cause de certaines personnes, bien aimées, nos vies, des fois, peuvent devenir aussi des vies de souffrance. Nous connaissons dans la Bible un homme au nom de David. Quand David parlait, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est parce que David, à cause de son fils, que David a quitté le trône parce que son fils voulait son malheur. Certaines d'autres souffrances que nous endurons aujourd'hui ne viennent pas à cause de nos propres erreurs, mais viennent des fois à cause de certaines personnes qui sont ensemble quoi avec nous. À cause de ces gens, le malheur nous atteint. À cause de telles personnes, la souffrance arrive. Un jour dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelle Jonas. Jonas, Dieu lui demande, bien aimé, d'aller à Ninive. Mais Jonas étant un rebelle, têtu, désobéissant à la volonté de Dieu, Jonas décide d'aller à Tarsis. Il y prend le bateau, un grand bateau, vous comprenez qu'il n'était pas le seul passager. Il y en avait d'autres passagers dans ces bateaux, bien-aimés. Et ces passagers étaient des innocents. Ils n'avaient pas un lien avec Jonas. Mais à cause de Jonas, la Bible nous montre que ces gens ont perdu leur cargaison. Ils ont perdu leur marchandise. Parce qu'une personne est montée dans le bateau, avait des problèmes avec Dieu. Dis avec moi que le Seigneur me délivre. Très fort, que le Seigneur me délivre. Que le Seigneur me délivre des malédictions des autres. La Bible dit, ce jour-là, Jonas était dans le bateau. Dieu cherchait Jonas. Et le bateau commençait à faire naufrage. Le capitaine du bateau a dit, pour qu'on puisse sauver le bateau, que tout le monde qui a des bagages, des marchandises, puisse les jeter dans les eaux. Bien-aimés, vous savez que quand les gens montent dans les bateaux, il y en a d'autres qui sont des commerçants, qui ont acheté des choses pour aller vendre. Mais maintenant, à cause d'une personne, on dit que tout le monde doit tout jeter. À ce moment, Jonas n'essaie même pas d'énoncer en disant que c'est moi qui ai la malédiction. Tout le monde a commencé à jeter les choses. Ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu les marchandises. Mais malgré cela, le bateau continuait toujours quoi? À chercher à s'éloigner. On a réveillé tout le monde. Jonas, au lieu de se réveiller, lui, il est parti en bas du bateau. Il est parti se coucher. Pendant que c'est lui, le porte-malheur de ce qui se passe. Bien-aimés, d'autres choses qui nous arrivent dans la vie, ça cause de certaines d'autres personnes. Tu peux épouser une femme qui a aussi une malédiction pour toi, bien-aimé. Tout ce que tu faisais allait très bien. Mais depuis ce jour-là que tu as rencontré cette femme, les choses n'avancent plus. Tu peux épouser un homme aussi, bien-aimé, qui peut t'apporter la malédiction. C'est ce que j'ai dit aux sœurs, comme aux frères. Il faut mettre dans votre tête que le mariage n'est pas une obligation. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Vous dormez? Le mariage n'est pas une obligation. Ne te fais pas ça comme si tu es obligé de te marier. Si tu ne te maries pas, tu vas aller en enfer. Non, c'est faux. J'entends les jeunes sœurs dire toujours, hey, j'ai maintenant 25 ans, mais comment la zoba la tête? Nous avons maintenant. Écoutez, le mariage, parmi les promesses que Dieu a mises dans la Bible, le mariage, Dieu n'a pas mis comme une promesse obligatoire. Si le mariage était une chose obligatoire,
Jésus serait la première personne d'aller à l'enfer. Parce que Jésus sur la terre, vous avez vu être marié? Il ne faut pas suivre David Sicode, c'est l'aventurier. Qui dit que Jésus avait Marie de Magdala comme femme. C'est la sorcellerie pure et simple. L'apôtre Paul n'a pas été fiancé ni marié. Vrai ou faux? Le mariage n'est pas une obligation. On ne se marie pas aussi, bien-aimé, parce que les autres se sont mariés. On ne se marie pas parce que j'ai aimé surtout les sœurs. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'émotions. Lorsqu'elle va dans un mariage de sa copine, elle voit la robe de sa copine, comment elle brillait, comment vous savez actuellement comment les gens entrent dans les mariages, non? D'autres entrent avec des danses. Tema, sa copine est rentrée comme ça, elle dit, maman, il y a un gars qui est là, et est là. Tu vas aimer quelqu'un que tu ne pouvais pas aimer parce que tu es pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. C'est à cause de toi. Je suis parti dans beaucoup de foyers. Tu attends un homme me dire, si ma situation est comme ça, pasteur, c'est à cause de cette femme. Et j'attends d'autres femmes dire, moi, ma vie était bien. Même mes parents, aujourd'hui, si on ne s'entend pas, c'est à cause de ces messieurs. Il est toujours à cause de vous. Israël, bien-aimé, a connu un moment dur. Une fois, Dieu promet à Israël que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te donnerai quoi? En possession. Mais il y avait à l'intérieur d'Israël un homme qu'on appelait qui Akan. Dieu avait dit à ces gens, tous les territoires que vous allez envahir, consumez toutes choses, tuez toutes choses, ne prenez ni argent ni or de ce territoire-là. Mais quand ils sont arrivés à Haï, une des villes qui devait prendre la possession, la Bible dit que non, Akan a vu dans une maison un manteau de chinéar. C'est ainsi que j'ai compris que Akan c'était Congolais. Parce que Congolais qui se respectent, la sable, c'est la chose la plus excellente. Un Congolais peut avoir frigo vide, mais voit-on, voit-on. Kiangala. Kiangala. Donc, maintenant le type arrive, il voit le manteau. En plus, le manteau de Chinéa, c'est un manteau, beaucoup de riches aiment acheter ça. Le type a dit ça, c'est une belle occasion. Quand on va finir la guerre, on a un bête à ça, il faut un manteau. Il a pris le manteau, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti cacher ça quelque part. Maintenant, Israël ne comprenait pas que la malédiction est entrée en Israël. Malgré la promesse, mais Israël a perdu la bataille. C'est ce que je suis ces derniers temps un peu en rigueur avec les gens. Parce que si j'ai ta corde de faveur pour le besoin, les milliers, là, là, tout ça, du connerre au processus pour mon livre, ma bénédiction à l'église. Akan a fait le mal. Tout le monde, beaucoup de gens sont morts en Israël à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Josué pose la question du Seigneur. Tu m'avais promis que nous prendrons tous les territoires en possession. Mais qu'est-ce qui fait que moi et mon peuple, on nous a tués à ce niveau? Dieu dit, Josué, écoute, rassemblez tout le peuple. La personne qui vous a fait du mal est au milieu de qui? C'est ce que nous devons comprendre des choses. Prenons comme ce que je parlais de la sorcellerie qui s'est initiée à la dimension que je vous ai dit. Une fois, cette sœur m'a dit ceci. Mon père, pas l'autre là que j'ai dit à la mamie, tout ça, ça c'est l'autre. Il dit, mon père, à chaque fois qu'on l'arrête, c'est moi qui le fais arrêter. Comment? Spirituellement.
Son père passe des fois 5 ans dans la prison. Oui, il sort. Quelques temps, on l'arrête encore. Comme à l'heure que je parle, il est retourné dans la prison. Les gens disent que c'est lui qui veut mener une mauvaise vie, voilà pourquoi on l'arrête. Mais la vérité sort que c'est sa propre fille qui fait ça. Et moi, maintenant, j'ai la vraie vérité. Les autres ont la pensée qu'il aime vendre des choses, tout ça. Or, l'esprit d'aller vendre des choses, la fille, c'est elle qui fait ça. Pour qu'on puisse arrêter. Mais d'autres vies que nous portions à nous, qui ne sont pas bien, c'est à cause de certaines personnes qui nous ignorent. Et regarde ton voisin, dis-lui, je ne veux pas que tu sois mon porte-malheur. Je vais assumer l'erreur que moi-même j'ai commise. Pas tes bêtises pour que cela m'atteigne. Alléluia. Amen. Et dit, pasteur, tu sais la prison de cette fois-ci, il n'a même pas duré, il venait de sortir, il a fait seulement 3-4 mois. Je le fais retourner. Je dis, tu as l'intention de le bouffer, mais non, j'aime simplement tourmenter sa vie, n'importe. Vous voyez comment le mal n'a pas de pitié pour les autres. C'est son père qui lui a donné les chances. Mais elle a le désir de faire souffrir simplement la vie de son père. Et son père ne vit pas dehors comme tout le monde l'entend. Quand il est content, je suis sorti. La fille prépare, c'était simplement pour nous faire des coucous. Allez, retourne. À cause de sa fille, que cette personne souffre. Prenez-moi quelque chose. Jean 11, le verset 14. Rapidement, Jean 11, le verset 14. Jean 11, le verset 14. On y va. Je bénis au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus leur dit simplement. L'auditoire, attendez. Ici, on lit, les autres cherchent encore. Vous avez tous trouvé? Non, pas tous. Parce que maman, elle fait des allers-retours dans sa Bible. Maman, Jean, c'est facile. Hein? Nous tous, on s'élève pour lire ça. Si tu n'as pas la Bible, va à côté. Frère Ferrand, la Bible, c'est 1,50€. Tu vas t'arranger pour acheter ta Bible. Où tu vas acheter? Ah, ok. 1,50€. À l'époque, c'était 1€. Mais maintenant, c'est 1,50€. Donnez à tout le monde que tu connais, non? Hein? Oui, elle aussi commande des Bibles gratuites. Tu peux commander une Bible gratuite. Comme ça, elle va faire commande. À l'internet, il y a des sites où tu peux commander une Bible gratuitement. C'est que quand tu manques la Bible, même Dieu ne peut pas être content de toi. Si tu veux acheter, ça commence à 1,50€. Si tu veux commander, tu peux commander gratuitement. Il y a des gens qui achètent des Bibles simplement pour donner les gens gratuitement. Que Dieu bénisse ces gens-là. Nous allons lire le verset 14, nous tous. Ça dépend de ta version. Je dis, sois à côté de quelqu'un qui est dans la Bible. Elle me répète les paroles que l'autre va dire, sois à côté. Comme ça, Nathalie, toi tu parles fort, elle répète ce que toi tu lis. On déclare ensemble. 1, 2, 3, on y va. Alors Jésus leur dit simplement, ma relation est dans le monde, et je me réjouis pour ce que je ne sais pas là, afin que vous croyiez, et à nous faire une croyance, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons, nous aussi, afin de nous réjouir. Je me réjouis parce que je n'étais pas. Je n'étais pas. Nous acclamons la parole du Seigneur. Restez assis, c'est mon tour de lire. Je vais lire la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut soutenir la parole de Dieu?
Je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Jean chapitre 11. J'avais dit le verset 14, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, écoutez ma version, on dit quoi? Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Nous acclamons encore. Maintenant, regardez-moi. Cette histoire, c'est l'histoire de Lazare. Lazare avait combien de sœurs? Deux sœurs, Marthe et Marie. Marie, la sœur de Lazare, c'est elle qui a amené la vie de Jésus dans leur famille. Elle était une prostituée. Marie, elle était la femme prostituée. De sa prostitution, Marie a fait la rencontre avec qui? Jésus. Bien-aimé, il y a des personnes inutiles de la famille, mais qui peuvent nous apporter aussi le bonheur. Les gens qu'on néglige, qu'on qualifie tous, même ici, sont la famille, mais peuvent devenir aussi utiles pour nous. Marie est devenue utile. Grâce à Marie, Jésus a connu la famille. Mais Jésus vivait dans cette famille, bien-aimé. Manger, dormir, vous savez, s'il y avait deux sœurs et un frère, c'est une famille de trois enfants. Le frère s'appelait Lazare, le sœur Marthe et qui? Et Marie. Et si Jésus, la Bible dit, quand Jésus était à Béthanie, il vivait dans cette famille. Et s'il y en avait des champs, on compare directement Jésus dormait avec qui? Mais souvent le nom le matin, alors Marie. Jésus dormait, on compare directement avec leur frère, Lazare. Mais Jésus, avec sa mission de se déplacer, bien aimé, il est parti. Après lui, Lazare tomba malade. À tomba malade, quelque temps, Lazare mourut. Mais avant de mourir, on a envoyé les gens pour aller dire à Jésus. J'aime comment ces gens ont parlé. Ils sont arrivés, Domingos. Ils ont dit, Jésus, Lazare que tu aimes est malade. Mais quand quelqu'un vient te dire que non, ton frère Ferrand que tu aimes est malade, c'est pour te dire que pour les autres, tu peux refuser, mais pas pour Ferrand. Parce que Ferrand, tu aimes. J'ai regardé dans cette histoire, Jésus connaissait des priorités. Jésus ne faisait pas des choses parce que les gens me demandent de faire. Il faisait chaque chose selon les normes du temps. Quelqu'un me dit amen. Je vous ai déjà dit une fois, même ceux qui me suivent dans la vie, il faut savoir. Toute chose urgente n'est pas une toute chose quoi, prioritaire ou importante. La chose peut paraître urgente, mais elle n'est pas importante. Mais nous ne connaissons pas ça. Nous, parce qu'on nous a dit c'est urgent, il faut que je le fasse, je risque de négliger les choses qui sont quoi, importantes. Comme une fois, quelqu'un m'a appelé à laisser le message, pasteur, appelle-moi, c'est urgent. Membre de l'église France pour qu'il se gourlait. Pasteur, c'est urgent, il faut m'appeler. Mais tu laisses un message comme ça à ton pasteur. Le pasteur va penser à quoi? Il y a un problème sérieux. Il faut que j'appelle. Pourtant, j'avais d'autres choses à faire. J'avais d'autres appels importants à faire. Mais puisque j'ai entendu ça, j'ai appelé. Et quand je l'appelle, je dis, je t'appelle parce que tu m'avais dit, c'est urgent. Non, papa, n'engana aura mungo, n'aura kala. Tu sais, je dis simplement, ça va, mon frère. C'est pas vrai, ça. Comment tu peux dire à quelqu'un, c'est urgent, mais pourtant, ce n'est pas important. Au départ, je voulais à ses frères, mais après, je dis, j'en vais à moi-même.
Il fallait que je comprenne que toute chose urgente n'est pas nécessairement quoi? Importante. On dit à Jésus que Lazare que tu aimes est qui? Non, malade. Pourquoi vous le tuez tôt? Tu n'aimes pas Lazare? Et malade. La Bible dit que Jésus, au lieu de partir, Jésus resta encore 4 jours. Il y prêchait. Il prêchait. Pendant qu'il resta 4 jours, la maladie s'est empirée au point que Lazare, quoi, mourut. Et le 4e jour, Jésus dit à ses disciples, on va aller. Les disciples disent, mais non, dis-nous simplement, est-ce que Lazare vit encore? Au départ, il leur dit que non, Lazare dort. Ils ont insisté. Il les a dit, puisque vous, vous avez le comportement des Angolais, des Congolais, des Brésiliens, des Congolais, vous voulez tout savoir, il est mort. Quand il a dit qu'il est mort, Jésus directement rajoute, je me réjouis pour vous. Je me réjouis pour vous que Lazare soit mort. Est-ce que quelqu'un qui t'aime doit se réjouir du moment où toi tu es mort? Dans une autre version, la Bible dit que c'est à cause de vous que Lazare est qui? Mort. Pour que la gloire de Dieu puisse quoi? Se manifester. Mais même pendant que Marie et Marthe pleuraient, leurs frères, mais ils ne savaient pas que leur frère est mort, c'était à cause de qui? Des apôtres, pour que Dieu manifeste la gloire et qu'ils comprennent que Dieu existe. Il y a des situations, bien-aimés, qui arrivent dans nos familles. Des fois, c'est à cause de nous parce que Dieu veut montrer sa puissance. Dieu fait en sorte que d'autres personnes tombent malades pour qu'un jour, si la personne est guérie, que toi, tu comprennes que Dieu existe. Ta situation que tu as aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que simplement, Dieu veut faire quelque chose. L'église force pour qu'ils connaissent notre combat, c'est à cause de vous. Parce que Dieu veut vous montrer un jour que non, si vous négligez, vous abandonnez, Dieu est capable de lever une église même lorsqu'il y a 2 personnes. C'est à cause de vous. Moi, je vais m'arrêter ici. Je veux simplement savoir. La situation que tu en dis, ça vient à cause de qui? On a parlé de Akan. On a parlé, bien aimé, de Jonas, qui dont les autres ont perdu des choses à cause de Jonas. Bien aimé, est-ce que tu pries bien pour savoir ta vie, elle est comme ça à cause de qui? Qui est derrière toi? Qui est derrière ta vie? Ça, il faut chercher à savoir. Ton comportement là, qui est derrière toi? C'est à cause de qui que toi tu es comme ça? Les enfants, leur vie n'avance pas. C'est à cause de qui? Est-ce que ta situation c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour le malheur? Ton impolitesse que tu as là, où les hommes ne peuvent pas rester avec toi, c'est à cause de qui? Je vous ai dit que cette soeur, son père entre tout le temps en prison, mais c'était à cause de sa fille. Qui était derrière sa situation? C'est sa propre fille. Et toi, qui es derrière toi? Madou, tu peux faire un effort du début à la fin que ton esprit soit avec moi. Ça se déplace. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu es perturbé dans beaucoup de choses? La vie que tu mènes là d'adultère, ça cause de qui? Ça cause de qui tu es comme ça? Tu es séparé de tout le monde. Mais qui est derrière cela? David dit dans le livre des Psaumes,
L'ami avec qui que nous allions tous ensemble à l'église, avec la foule, c'est cet ami-là qui me fait mal. Prenez le dernier chapitre qu'on va clôturer, Psaume 55. C'est à cause de son ami que David souffrait. Mais la cause là était pour la gloire ou c'était pour le malheur? Psaume 55. Nous allons écouter la lecture de Rabbi Olobini. Commence à partir du verset 10. Venez en notre Jésus-Christ. Psaume chapitre 55, à partir du verset 10. Augmente la voix. Sème la confusion, Seigneur, brouille leur langage, car je ne vois dans la vie que violence culturelle. Jour et nuit, elles font le tour de ces murailles. La justice et la misère y habitent. Vous attendez là-bas? Tu es un homme. Sème la confusion. Seigneur, brouille leur langage. Car nous voit dans la ville que violence et querelle. Jour et nuit, elles font le tour de ces murailles. La justice et la misère y habitent. Les crimes sont au milieu d'elles. La fraude. Je vais vous prendre directement là. Je vais peut-être continuer à lire. La fraude et la tromperie ne quittent pas cette place. Ce n'est pas un ennemi qui m'a fui. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque. Attends. Souvenez-vous, ce n'est pas mon ennemi qui fait quoi? Qui s'attaque à moi. Ce n'est pas mon... Tiens, parce que... Mazurote. Répète ça. Suivez. Vous l'autre, ne lisez plus. Regardez-moi, vous allez chez vous. Notez. Ce n'est pas un ennemi qui m'a fui. Il dit que la personne qui me fait mal, ce n'est pas celui que je connais comme un ennemi. Continue. Je le supporterai. Si je connaissais que c'était un ennemi, je vais supporter parce que je sais que c'est un ennemi. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Amen. Vous êtes là, non? Amen. Alors, tu sais qu'à ton ennemi, celui qui ne t'aime pas, te fait du mal, tu sais au moins qu'il y a Aling Angati. Mais celui-là, vous allez savoir c'est qui. Il dit, si c'est mon ennemi, tout ce qu'il dit, je peux supporter parce que je sais déjà qu'il est mon ennemi. Continue. Il dit, ce n'est pas un adversaire que je connais, que c'est un adversaire qui s'attaque à moi. Continue. Je me cacherai devant lui. Il dit, si c'est un adversaire que je connais, je vais faire quoi? Je vais me cacher. Parce que je sais que c'est un adversaire. Mais celui qui l'attaque, l'écoute. C'est toi un homme de mon rang. Il a dit que celui qui m'attaque, c'est un homme de mon rang. Continue. Toi, mon confident. Il a dit, c'est son confident. Celui qui lui se confie, celui que lui il aime, celui que lui il compte, celui qui lui fait du mal. Voilà pourquoi David dit, ah, si c'était mon ennemi, j'allais supporter le mal qu'il me fait. Parce que je sais qu'il est mon ennemi. Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Je vais supporter ce que mon ennemi me fait. On y va. Vous êtes plus nombreux, je n'ai pas le micro. Parlez plus fort que moi. Je vais supporter les attaques de mon ennemi. Parce que je connais que c'est un ennemi. Il ne peut pas m'aimer, c'est normal. Mais celui qui m'attaque, c'est mon confident. Simplement, David veut dire ceci, écoutez bien aimé. Pour dire que si je ne supporte pas ce qu'il me fait, parce que je ne m'y attendais pas à celui que j'aime, celui que je me confie, j'ai dit tous les secrets, que c'est celui-là qui va me faire du mal. Si c'était un adversaire, j'allais savoir, j'allais même quoi le quitter. Mais si je ne le quitte pas, parce que j'avais dit, oh, mon ngai, pas celui qui m'accasse. Bien-aimé, ta souffrance est à cause de qui? C'est peut-être à cause de ce frère Wana, c'est peut-être à cause de ta soeur, ta cousine, ta tante, ta mère, ton frère. Oh, il y a des mais c'est la personne qui te fait mal. Suivez. Continue. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Ensemble, on vivait dans une douce quoi? Intimité. Bien aimé, il y a des gens que toi, tu te donnes à eux. Mais ils ne se donnent pas à toi. Amen.
Tu ouvres le cœur. Mais il y a une chaotique à ce qui s'accorde à mon nom. Tu as un peu de temps. 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 À celui qui a peur. N'a qu'à moi. Je m'étonne. Il dit, c'est l'ami, celui qu'on vit ensemble dans une douce intimité. Quand tu es fils. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous allions avec la foule à la maison de qui? De Dieu. Oh, on a l'assemblée là, yoga. Attends. Aux obangani. Ce qui nous attaque, frère et monde, il a dit si c'était un ennemi, n'a aussi pas à ta féminine. Mais ce qui lui fait mal, c'est un confident. C'est un frère. C'est une sœur à lui. En plus, on a une église ensemble. Ce qui prie la même doit église. France, hein? On est aussi dans la même chorale. On est aussi dans le même orchestre. On est aussi protocole ensemble. Tomata la voiture, Moko. Mais nous aurons bon mariage. Écoute ça. Quand je vous dis, j'aime pas ma groupe, je sais. Moi, je passe sur les écritures. Vous parlez selon ma soumou qui n'a qui. On passe dans le Kabulabat. Non, écoute ça. David plaît. Alors, si c'était mon ennemi, je vais supporter. Parce que je sais au moins c'était un ennemi à Golingangate. Si c'est un adversaire, à attaqué, c'est normal. Pour la vie, l'adversaire, il a ressenti mal à moi. Mais ce qui me fait mal, moi, David, celui qui me fait mal, c'est celui que je me confie. C'est celui avec qui on vit ensemble. Et c'est quelqu'un de mon rang. Dans le rang-là, il parle quoi? De ma famille, le rang-là, c'est quoi? Tout ça, il m'a mis ensemble. C'est tout. Ah! En plus, tu es dans l'église ensemble. Pour David, c'est blessant. Comment on peut arriver à ce niveau? Dis à ton voisin, à cause de certaines personnes que nous souffrons. Vous pensez ce qui détruisent même cette église, même qui font du mal au pasteur, même à toi. Ce sont les gens d'où? Ceux qui viennent avec nous à l'église. Continue, écoute David. David a dit non, 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 non. De la mort de Sylvain. David n'a pas dit Seigneur, pardonne une telle personne. Il a dit Seigneur, que la mort surprenne à toi. Continue. Qui descend vivant au séjour des morts. Il dit même s'ils sont vivants, mais qui descendent dans les séjours des morts. Muscotal. Mais il faut que d'autres personnes, azotala, mais akoufa déjà sur Boumaï. Parce que ce qui te fait, ce n'est pas gentil. Continue, fils. Car la méchanceté est dans leur demeure. La Bible dit quoi? Les gens comme ça, bien aimés, les gens comme ça, la Bible dit, dans leur demeure, dans les lieux où ils résident, dans leur vie, ceux qui vivent, et comme vous t'aimez, ma belle. Toi, tu peux penser nous faire du bien. On met main à la voiture. On sourit les locaux. Mais yé, à cause de ce que il y a des gens dans la vie, quand il est né à faire le mal, même si tu fais quoi? Comme ce type-là. Si un homme comme David qui était roi, il pleure, c'est que David a dit, mais tout est mal. Il ne peut pas me faire ça. Écoutez bien la Bible. Méfiez-vous de certaines personnes dans la vie. Bien aimé, la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme, et à celui qui se confie à Dieu. Suivez. Elle est dans leur cœur. Oui. Quant à moi, je crie à Dieu. Il dit, les gens comme ça, on ne cherche plus à parler. Il dit, quant à lui, je crie, moi, je crie simplement à Dieu. Continue. Et l'Éternel me sauvera. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je bénis. Écoutez, passez les qui. Il dit, le soir, le matin, à midi, Nazol est là. Pourquoi il pleure? Parce que celui que lui, il aime, et qui s'est confié. Mais mon inga, n'a mouté ma linga qui était.
Bien-aimés, vous pensez parce que vous venez à l'église, vous chantez ensemble, vous venez ensemble, vous vous retrouvez dans le quartier ensemble, que vous vous aimiez plus que le pasteur, comment je vous montre. Pourquoi notre tabitumba? Pourquoi notre abimisaga longa fou en attendant bonello? Pourquoi abimisaga? Parce que Dieu sait, c'est moi qui te dis la vérité, c'est moi qui t'aime. Yoza kutu wati, yo balali suwa, yo kulo okabele ni na banga yo. Mais yewa, mon rebelle, c'est la que ma lame, mais la salle ma gueule. Vous pensez quoi? L'argent peut acheter l'amour d'une personne. Non, l'argent achète l'hypocrisie des gens. Mais pas l'amour. L'amour, il faut que ça vienne du cœur de quelqu'un lui-même. On n'achète pas ça, je ne vois pas. Quand tu prends une femme à l'ignon pour un bon, à l'ignoté, elle est là pour l'argent. Quand on va te pécho, on a un peu de l'ignoté. Le jour qu'il n'y aura pas cet argent, au moins, on aura raison. Il faut comprendre ces choses. Vas-y. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur assaut et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Ils sont nombreux contre moi. Bien-aimé, laisse-les être nombreux. Mais toi, tu es avec Jésus. Amen. Bien-aimé, quand les gens se regroupent en nombre, et toi, vérifie si tu es avec Jésus. Si tu es avec Jésus, ne plus peur. Répète avec moi. Dis, tous ils sont contre moi. Mais moi je m'appuie en Christ Jésus. Tous m'attaquent. Mais je cherche Jésus. Tous m'insultent. Mais à mes côtés, il y a le roi Jésus. Finis-moi le chapitre. Dieu entendra et il les humiliera. Ça c'est vrai. Lui qui siège de toute éternité. En effet, il n'y a pas de changement en eux. Ils ne craignent pas Dieu. Va vite parce que j'atteins une place là, c'est très important. Vas-y. Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui. Vous attendez, les gens comme ça, même si tu es bien avec lui, il portera la main, il te fera toujours du mal. Arrêtez de vous confier aux gens comme ça. Arrêtez. Oh, moi, maman Faustine, j'aime peut-être sœur Marie beaucoup. Moi, c'est vraiment ma sœur, je parle beaucoup avec elle. Merci. Mais aie des freins dans tout ce que vous dites, des fois. Mon oncle est un frère et vous l'avez lobby. Elle est sera mon thème. Oh, moi, nana. C'est Solange. N'est-ce pas de Gizoga Solange? Bokeba. Mounoko et Loba, ils ont un frère, ils ont qui sera moutema. Ils ont Sabine. Oh, moi, Sophie, moi, c'est ma Rosa. Nous venons ici, c'est seulement Jésus. Amen. Tu es ma soeur, je t'aime. Mais tout, c'est seulement Jésus. Tu ne sais pas l'intention qui nous pousse à te donner à manger. David, continue. Frère Mermas, j'écoute. Il vient son alliance. Ils viennent faire quoi l'alliance? Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'alliance, on a un patron qui est sûr. Mais notre personne est sous la cime. Oh, Esther, tu m'écoutes? Oh, tu es un bon ami. Oh, tu es un bon ami depuis Kin. Ce n'est pas parce qu'on se connaît depuis l'Afrique. C'est faux. Les pauvres frères se font du mal. Et toi qui n'es pas mon frère, pour me faire mal, tu auras pour moi 10 kilos. Caïn tue son frère. Abba Shalom me tue. Jacob vole la bénédiction de son frère. Les frères de Jésus ont dit Jésus crucifie Jésus. Toi tu penses que celui que tu as rencontré là peut changer des choses. Je ne te dis pas que tout le monde est mauvais,
mais je dis sois prudent. Un point très. Si tu rencontres une bonne personne, tant mieux. Si tu rencontres une mauvaise, tant mieux aussi parce que tu étais déjà prudent. À cause de qui tu souffres. Vas-y. Sa bouche est plus douce que la crème. Écoutez, sa bouche est douce comme la crème. Ce sont des gens lorsqu'ils parlent. Au lobby, amout malam. Le bibé lobby. À quoi est-ce que frère Ferrand? Tu vois. Bakolo belobo été. Nenge mama sa sala kayo. Nge sala nga pas. Nenga la linga kayo. Yaova no kut nanda kunangai. Tika mama spemen musika. Nzo ka muta au bengo pa bomo bien. Et toi tu n'es pas prudent. Omoni, ya lo baga bien. Comme le passé papi il est comme ça. Aza passa a lo bandimi. Akomo pa na yo. Ça va Marie? Marie, oh papa, on a un peu de saleté. Ce n'est pas grave. Tu as un peu de saleté. Par rapport à moi, ma pasteur, tu as un peu de saleté. Tu as un peu de saleté. Parce que papa, par rapport à ce sale, par rapport à toi. Ce que je veux dire, c'est que la douce, nous avons une crème. Nous avons une gaufre. Nous avons une crème. Nous avons une obèse. Alléluia. J'aime la parole. Quelqu'un me dit amen. Tant que les locaux soukali mingo commandini nadia, la diabète. Lia kape meni au changeaka. Tikangana changeaka yo. Un moto solo li bien, un mot n'a pas melio. Mais ce qu'on lia sikre trop, l'obidia, ce qu'on zoki pote ou pate mouné, ngaï soki ozoki, le colo de la santé a bien eko kaouka. Yé, tant que meni au kuna pota. Et comme on dit, tu as un peu de sang au coup, tu as un peu de pasteur, tu as un peu de sang pour la Lille. Pour la Lille, Bilanda. Quelqu'un attend aujourd'hui. La Bible dit leurs paroles sont douces comme de la crème. Je ne sais pas si moi, je veux exalter. Viens simplement avec la douceur. Papa, Ndeko. Ndeko Boni, Ndeko. Je ne sais pas si je veux. Comme ça, on a dit que les gens ne parlent pas. Il y a un YouTube. Il y a un Ndeko. Pour que les gens ne parlent pas. Quand on a dit que les gens ne parlent pas. Il y a un passé papier qui est là. Il y a un Ndeko. Ndeko, mais si vous avez. Mais la mounoko douceur. Lisez bien la Bible. Aimez les personnes qui vous sont directes que les personnes qui vous font ça. Jolie, tu m'écoutes. Djibril, tu m'attends. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez lire ça à la suite parce que il m'a pris beaucoup de temps, ces garçons. Allez lire à la maison, vous allez entendre. Ils prennent de l'huile. Bazo tia bino ma tia batu ma futa me bazo bo mayo na kati. Ma bi maloba na bango kote musuna seboyoka. Maloba na bango zako ma futa bazo pakola yo. Yo zo mone zo bongisa yo. Nzoka ma futa ane lobe logolo poso. Yo no se pra bata bongo. So amonio. Papa memas. Boni. Yo bi. Pasteur humble, eh? On est sorti comme de pasteur, ma quitte arabo, mais bicho ma quitte raté, orgueillé. Oh, c'est la rue la Bible. Ils font des gestes comme si ils vous oint d'huile, mais oh, à l'intérieur ils vous détruisent. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est à cause de qui? Retournez dans vos places. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Dans un plein culte, on ne fait pas l'histoire de changer à ta place. Vous voyez, ce qui est passé, monsieur. Tu vois que moi, je suis dans la Libanda, tu es quitté.
Mais retournez dans vos places. Alléluia. Amen. Ça va, Naomi? Robert, on a ce qui te suit. Vous savez qui est? Alléluia. Amen. Nous voulons prier ensemble. Lève-toi. Nous allons prier avec une déclaration. Bien aimé, on va faire des déclarations. Il faut que nos vies connaissent l'impact. Ça va, petite? Bien aimé, de tout ton cœur, ferme tes yeux. Pense à ta vie maintenant. Prendre des enfants pour rester assis. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Répète avec moi. Seigneur, à cause de qui ma vie est-elle en souffrance? Révèle-moi. Révèle-moi. Non simplement la personne, non simplement la personne, mais comment il faut que je me comporte, mais comment il faut que je me comporte pour que je puisse sortir de cette situation. Si ce que j'endure, c'est à cause de mes ennemis, aide-moi à gagner. Mais si je m'étais trompé de l'adversaire, c'était mon confident. C'était la personne avec laquelle nous allions à l'église. Seigneur, frappe cette personne. Père, tu m'as fait comprendre que certaines de nos souffrances ne viennent pas de nos erreurs, viennent de certaines personnes que nous mettons confiance. Détache-moi de toutes ces personnes que je continue à donner mon espérance. Père, je ne suis pas un Dieu. Je ne peux pas connaître tout le monde. Mais toi, tu connais ce qui me font du bien et ce qui ont les intentions négatives. Éloigne-moi de toutes ces personnes qui seront là pour m'élancer ma vie, pour m'empêcher à être en paix avec toi et avec la nature. Jésus, aujourd'hui, je prends l'autorité. Je prends l'autorité contre toute ruse satanique, contre toute semence des sorciers, des méchants, des jaloux qui s'approchent de moi. Je détruis cela au nom de Jésus. Personne ne pourra empêcher ma destinée. Je suis un gagnant. Je commence.
sans gloire, mais je finis avec gloire. Je commence sans gloire, mais je finis avec gloire. Que mes adversaires soient dans la morte, que mes ennemis soient dans les trous, que mon confident qui est hypocrite soit surpris par la vérité.